Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Philou et son potager. Alors c'est vrai, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne parce que je pense, comme tout le monde, on court tous après le temps et c'est pas forcément évident de gérer tout ça. Gérer le temps du travail, de la maison, de la famille, du potager, de la chaîne, bref, tout le reste qui va avec. Et surtout des vacances. Donc l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur les tomates en novembre et cette année, effectivement, j'ai des courgettes en octobre encore. Et je crois que c'est bien la première fois que je garde des courgettes aussi longtemps au potager. Alors c'est vrai, actuellement on les récolte encore, mais je trouve avec la fraîcheur de la nuit, la peau est très très dure. Et surtout, il faut ne pas oublier de les ramasser, parce qu'il y a tous des petits escargots, limaces, vers de terre, qui se font vraiment un plaisir de les manger. Alors cette année, les pieds de courgettes, j'en ai mis beaucoup au potager, et surtout entre tous mes pieds de tomates. Donc ça n'a pas affecté mes pieds de tomates, au contraire, ça n'a pas gêné, voilà. Donc de mémoire, j'ai dû mettre entre 20 et 25 pieds de courgettes au potager. Et j'en suis aujourd'hui, je vais être à 70 kg de courgettes au potager. Alors ne vous inquiétez pas, je vais tous les manger. Et je pense qu'avec ce mois de juin-juillet assez pourri cette année, j'aurais pu en avoir beaucoup plus. Tout ça parce que bien sûr que mes tomates, cette année, ils étaient très frais. Les abeilles et les autres pollinisateurs n'ont pas été au rendez-vous. Et effectivement, je pense que ça a dû freiner la pollinisation. Donc là les nuits sont fraîches, donc les courgettes je pense dans 15 jours elles vont être toutes mortes. Il y a eu pas mal d'odium cette année, mais elles ont tenu le choc. Bon là j'ai commencé à faire ma session de rangement, tout arracher, ce qui ne sert plus à rien. Et surtout on va tout repailler ça avec de la paille, là, on m'a donné des bottes de paille, c'est cool. En plus ça commence déjà un petit peu à pourrir. Bref, on va essayer de tout recouvrir, toutes ces planches de culture pour préparer l'hiver. Alors c'est toujours un petit moment triste pour moi de fermer un peu la saison. Donc je ne fais pas trop de saison d'hiver. Donc moi ma saison commence en janvier, février, mars, avril pour faire les semis d'été. Et après c'est les récoltes juin, juillet, août, septembre, octobre, voire novembre grand maximum. Donc comme vous pouvez le voir actuellement j'ai encore quelques tomates à l'extérieur. Alors je précise toujours un petit peu à tout le monde, mon potager se situe environ à 400 mètres d'altitude. Donc les nuits commencent déjà à venir un peu fraîches. Et donc à l'extérieur, tout s'éteint tout doucement. Et grâce un petit peu à la serre, ça va prolonger un peu la saison en octobre, novembre. Grand maximum. Après, comme j'avais fait l'année dernière, les tomates n'ont pas réellement de goût. Voilà, c'est une couleur, c'est un peu un goût de tomates de supermarché. Donc je vais vous montrer aussi un peu plus loin où j'ai mis mes courgettes en étage. Je peux vous montrer qu'elles sont encore là. Elles fleurissent encore, elles me donnent de temps en temps une courgette. Elles ont quand même plus de 2-3 mois, elles sont encore là, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment ça peut durer aussi longtemps. Et je vais vous montrer, j'ai fait un petit bac en plus cette année où j'ai mis les tomates. Et en fait là, elles marchent super bien contrairement à l'extérieur parce qu'en fait elles ont le soleil du soir. Et ça me donne pas mal contrairement aux autres tomates qui sont... soleil du matin, c'est assez drôle, mais bon, c'est comme ça. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous montrer mes petites courgettes d'octobre, qui sont encore là, tant mieux. En fin de vidéo, vous verrez, j'ai mes rhubarbes cette année, elles ont des feuilles, elles sont monstrueuses. Vous pouvez les voir à la fin de vidéo. Et je voulais tous vous dire merci, la chaîne monte tout doucement encore. On va peut-être atteindre les 2000 abonnés, ce serait extraordinaire, mais bon, ça, seul le temps me le dira. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser aussi vos commentaires sur YouTube, je pourrai y répondre dès que je les vois. Et je vous revois pour une prochaine vidéo. Bye bye !